Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les enfants? Et donc, on va voir qui, là? Un genre de molla? On a signé hier notre acte de mariage devant un notaire, avec la famille, les amis. Sauf que la mairie nous appelle ce matin pour nous dire que notre acte n'est pas accepté. Il manque un papier des affaires religieuses. Non, on est des sunnites. On a des mouftis et des imams. Les mollas, c'est chez les chiites. Puisque mon mari n'a que la nationalité française. Bien sûr, madame. Une musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. Sauf s'il se convertit à l'islam devant moi. Je suis juste né en Europe, hein. Pourquoi me convertir? Je suis déjà musulman. C'est vous qui le dites. Je m'appelle Mohamed Ben Abdallah. Moi, je suis sunnite ou chiite? Quels sont les cinq piliers d'islam? Si tu veux, j'ai un ami, il est dans le domaine de l'islam depuis quelques mois. Et il sait tout ça. Vous connaissez la Fatiha? Ah oui, des Fatiha, j'en ai connu dans ma vie, hein. C'est sérieux. C'était beaucoup plus simple du côté de l'ambassade de France. Avez-vous de la famille en France? Mon cousin Walid à Marseille. Mais si ça se trouve, il est encore en prison. Non, personne. Toute ma famille est ici. C'est drôle, parce qu'il y a une personne qui a le même nom de famille que vous. C'était un massacre. Tu connaissais même pas ma date de naissance. Si, je connais. J'ai juste oublié, c'est différent. Je connais pas. Vous savez, nous, les Arabes, on a des grandes familles. Même au pôle Nord, on y trouverait des parents lointains. Non, j'ai jamais dit que je faisais la prière. J'ai juste dit je fais la prière à table. C'est différent. C'est quoi ça? Et il m'arrive de dire bismillah avant de manger. Pourquoi? Je dois pas le dire. Ça devient très intéressant.